Dans cette vidéo tutoriel, je vous présente un pack de 5000 librairies et blocs à télécharger puis à ajouter dans votre version d'AutoCAD afin d'aller 5 fois beaucoup plus vite lorsque vous allez dessiner vos différents plans de maison ainsi que plans d'électricité. Il s'agit là de plus de 5000 blocs et bien plus que ça. Donc si je fais un zoom arrière, vous allez voir que vous avez des différents blocs de différents domaines. Lorsque vous allez faire un dessin sur AutoCAD, vous n'allez pas dessiner vos propres blocs. Donc vous allez juste copier et puis coller dans vos différents blocs afin d'aller 5 fois beaucoup plus vite. Il s'agit là d'une collection de différents blocs que j'utilise très souvent pour aller beaucoup plus vite lorsque je vais faire mes différents blocs dans tous les domaines, à savoir des meubles, des plans de présentation pour la barrière, d'accord, et des blocs internes. C'est-à-dire des blocs meubles, canapés, fauteuils, personnes, lits. Donc, je vous invite à télécharger ces différents blocs et ajouter dans votre version d'AutoCAD pour aller beaucoup plus vite. Dans la suite de cette vidéo, nous allons esquisser un semblant de plan de maison. Et puis, je vais vous montrer comment vous pouvez ajouter tous ces différents blocs sur votre version d'AutoCAD. Ou bien, ajouter à un dessin pour dessiner 5 fois beaucoup plus vite. Lorsque nous naviguons sur tous ces différents modèles, vous allez voir que ça ne sert à rien de perdre le temps à dessiner un bloc tant que vous pouvez copier et puis insérer dans vos différents blocs. Le lien vers tout ce qui est mentionné dans cette vidéo sera dans la description de la vidéo. D'accord, donc vous allez voir là que vous avez tous les différents éléments nécessaires, à savoir les blocs meubles, les blocs portes. Donc si tu as souvent de la peine à dessiner des différents blocs pour portes, donc tu n'auras plus qu'à copier tous ces différents blocs et puis insérer dans vos différents chemins. Donc des blocs sont déjà préfaits et c'est tellement magnifique. Donc, vous voyez là avec des dormants de la porte, des battants avec des poignées pour tenir la porte. Et vous aurez la possibilité de modifier tous ces différents blocs. Donc si je clique là et que je vais sur le style de tracé, je peux changer, je le mets en interrompu ou bien je change un modèle qui m'intéresse. D'accord. Et vous avez là des différents blocs qui sont tellement magnifiques. Donc si je vais là sur le bloc lit, donc vous n'allez pas perdre le temps à dessiner tous ces différents blocs. Une chose est là que vous pouvez utiliser toujours le design center, donc at center pour pouvoir retrouver certains blocs, mais vous n'allez pas trouver tous ces différents blocs dont je vous propose. Donc vous voyez là, les blocs qui viennent par défaut avec AutoCAD ne sont pas tellement attrayants, donc ça ne rend pas des blocs le plan un peu différent de ce que vous pouvez chaque fois voir. D'accord, comme je le disais tantôt, sans toutefois attendre, nous allons esquisser un plan de maison et par la suite nous allons insérer tous ces différents blocs, quelques-uns de ces différents blocs sur le plan, de telle en sorte que vous puissiez voir comment vous en servir à l'avenir et dessiner 5 fois beaucoup plus vite. Alors les gars, avant que la vidéo ne continue, si tu es nouveau sur cette chaîne, je t'invite à t'abonner, d'activer la cloche de notification pour ne plus rater des prochains tutos. Car sur cette chaîne, je vous apprends à dessiner des blocs sur AutoCAD, à savoir dessiner des plans sur AutoCAD, faire des projections électriques et enfin partager le fichier avec vous. Donc à la fin de chacune de mes vidéos, je mets toujours le lien de téléchargement de tout ce que nous avions dessiné dans la description, de telle en sorte que vous pouvez télécharger et enfin faire votre travail avec. D'accord, vous avez jusqu'à la présentation des différents blocs pour barrières que vous pouvez insérer et faire votre portail de barrières et tout ça ont des dimensions. D'accord, je disais tantôt que nous allons faire un début de dessin pour pouvoir exploiter tous ces différents blocs. D'accord, pour ça, je vais venir cliquer ici sur ce petit onglet de nouveau.